Ben, si c'est pas mon meilleur. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui, mon beau tricolore? T'as pas l'air d'avoir le panier ben plein. Hein? Aurais-tu le temps pour une petite pause, le temps que je te brosse le poil? Ah, yes! Là, Karine, c'est la deuxième fois qu'on doit intervenir dans le mois, puis on est juste le 12. Monsieur Farfouille a le droit d'exécuter son travail dans le respect. Ça veut dire pas de commentaires déplacés sur son apparence physique, sa personnalité, puis aussi pas d'invitation à répétition quand il t'a clairement fait savoir qu'il n'était pas intéressé. Ben oui, mais ils sont là à chercher toute l'attention dans le bureau avec leur belle fourrure. Ils sont si doux. Puis ils se déhanchent de façon tellement indécente. Ah, regardez! Il est là à faire exprès de m'allumer. Karine, ça suffit. Je suis une victime dans tout ça! Je l'avais dit que ma business de vente de poils de mascotte sur eBay, ça allait marcher. Regarde, là, les enchères, ça allait pas de monter. J'ai eu 540 pour tuer le tutu. 1250 pour ma grammée. Puis pour Cataract. Cataract! Le bassiste de Harry Tuesday! T'as vraiment mis la main sur une mèche du vrai Cataract? Comment t'as fait? J'ai mes petits secrets. Ouais, ça tombe à l'air intriguant, cette conversation-là. Oui, ça l'est. Est-ce que c'est ta date Tinder de l'autre fois? Ah, je suis juste... Non, je suis juste... Curieuse! Bon, alors, tu lui dis, dis-moi à quoi tu penses. Lui te répond, toi, qu'est-ce que tu dis, mon beau? Lui te répond, Toi, je te fais donc bien de l'effet, t'arrives pas à texter. Lui, ah, Mais on sait qui ce gars-là, je comprends rien. Ah, c'est mon meilleur prospect. Ça, c'est ton meilleur prospect? C'est un Polonais de la Saskatchewan. Petit patelin, il parle pas beaucoup français.